Cécile et je suis responsable RSE chez OB. Alors la politique RSE de OB se structure en trois volets. Tout d'abord, sur le plan environnemental, nous avons une politique axée sur la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre d'une part et sur la réduction de nos déchets et l'économie circulaire d'autre part. Sur le plan social, nous avons à cœur d'assurer le bien-être de tous nos collaborateurs et de développer leurs compétences. Nous avons aussi une politique d'égalité des chances, notamment en faveur des personnes en situation de handicap via notre programme OB Care. Et enfin, sur le plan sociétal, nous avons une politique d'achat responsable et nous avons noué des partenariats avec différentes associations caritatives. Enfin, depuis plusieurs années, nous luttons contre la corruption et nous agissons en faveur de la protection des données personnelles. Alors, OB est signataire du Global Compact des Nations Unies depuis 2004 et c'est vraiment ce qui a initié notre démarche RSE. À ce titre, nous sommes engagés à en respecter les 10 principes universels relatifs au respect des normes du travail, des droits humains vis-à-vis de la préservation de l'environnement et de la lutte contre la corruption. C'est vraiment cet engagement qui nous fait progresser d'année en année. Oui, alors deux exemples d'actions concrètes. Tout d'abord, la suppression de nos gobelets plastiques à usage unique sur tous nos sites de Boulogne. Ou encore l'installation de collecteurs de mégots qui permettent de valoriser les filtres de cigarettes. Donc ces deux initiatives qui sont portées par nos services généraux permettent réellement de réduire et de valoriser nos déchets. Je viens tous les jours au bureau en voiture 100% électrique. Et bah pour moi, ça passe par le recyclage, puisque sur nos open space, on a à disposition des petits bacs dans lesquels on peut mettre nos papiers usagés. Alors moi, au quotidien, j'essaye toujours d'éteindre mon écran externe quand j'en ai pas besoin et je veille aussi à débrancher tous les chargeurs dès que je les utilise pas. Pour monter un ou deux étages, j'évite au maximum de prendre l'ascenseur en prenant les escaliers. Moi, j'ai arrêté de consommer les bouteilles en plastique en faveur d'une bouteille en verre.